Dans les années 20 et 30 du 19e siècle, en Angleterre, le flûtiste Charles Nicholson eut un véritable statut de vedette. Il fut loué tant pour l'émotion qui se dégageait de son jeu que pour la puissance de sa sonorité, laquelle frappa tellement l'inventeur Théobald Boehm lors de sa visite à Londres qu'il en eut l'inspiration de repenser totalement la construction de la flûte. Cet instrument, signé Clementi, est emblématique de l'art de Nicholson. La firme Clementi, fondée en 1802 par le pianiste virtuose Muzio Clementi, eut une gamme d'activités très vaste, allant de l'édition de partitions à la construction de pianos, en passant par la vente de divers instruments, sous-traitant leur construction à des facteurs associés. Ainsi, leur flûte semble avoir été majoritairement fabriquée par Thomas Prowse, bien que portant alors la marque Clementi. Ils furent les représentants du modèle dit Nicholson Improved, dont vous pouvez observer les caractéristiques. Une embouchure extraordinairement large, dont on doit chercher à tirer un son très timbré. Voici ce que nous dit Nicholson. Le son doit être aussi timbré que possible, aussi proche que l'on pourra du son du hautbois, mais en y associant la rondeur et la douceur de la clarinette. Par ailleurs, on peut observer que les trous de jeu, et particulièrement ceux de la main droite, sont aussi considérablement élargis. Ils permettent de favoriser les glissandi ou slides dont Nicholson enrichissait son jeu à l'imitation des violonistes et des chanteurs. Les stries dans la tête ont sans doute une valeur décorative, mais contribuent aussi à alléger l'instrument et à le rendre très résonnant. Le corps de main gauche est creusé à l'endroit où la flûte repose sur l'index, pour une position idéale de la main selon Nicholson. Le diapason, enfin, pourra surprendre. À 450 Hz, il est très au-dessus du La actuel, mais correspond au Philharmonic Pitch, en usage à Londres, pendant une grande partie du XIXe siècle.